Le décrochage scolaire, c'est le découragement, l'isolement, le sentiment d'échec, l'insatisfaction. La persévérance scolaire vous apporte la fierté personnelle, la reconnaissance des pairs, l'estime de soi, la réussite. Aujourd'hui, c'est notre premier cours de remise en forme, qui va se faire par un sport simple mais révélateur, le jogging. Allez tout le monde, prenez position sur la ligne de départ et n'oubliez pas, 10 minutes de jog pour mesurer la constance de vos efforts. Allez-y! Go, 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 go! On y va! Charles? Samuel? Ça va aller mal courir sur un bain, là? C'est plate, tourner en rond pour rien. Ça me tente comme vraiment pas. Prenez vos positions! À vos marques! Prêt? Parfait! Bon, la personne se méritant le meilleur pointage, offrant l'effort le plus constant, Caroline! C'est la première fois de ma vie que je courais aussi longtemps! Alors aujourd'hui, j'ai un défi à vous proposer, OK? Vous allez tenter, en n'utilisant nul autre, rien d'autre que votre logique, de prendre ces 14 clous-là, ces 14 grands clous-là, de faire quelque chose ensemble avec les clous pour qu'ils puissent tenir en équilibre sur ce seul et unique clou-là, sans que le mobile de clous ne touche ni à la base, ni à la table. Alors, bonne chance. Moi, je pense que j'ai une idée. Tu pourrais essayer de faire un genre un carré. Ouais, La patience est une vertu, mais la persévérance nous enseigne qu'il ne faut jamais avoir peur de reprendre du début. Bien ramassé. Monsieur, on a réussi à trouver l'équilibre. Ah! On a une équipe gagnante! Regardez! Oups! C'est maintenant à vous de jouer à ramasse. Ouais, mais on a trouvé l'astuce pareil, hein? Ouais, c'est vrai! Alors, tel que mentionné la semaine passée, c'est aujourd'hui votre examen formatif. Donc, ça veut dire que vous avez le droit à votre volume. Utilisez-le! Vous avez le droit, prenez-le. C'est pour développer votre esprit de synthèse et de recherche. Et surtout, faites pas l'erreur de remettre le tout entre les mains du hasard. Parce que vous savez comme moi que le hasard ne cherche pas, il tranche. Alors, bon travail! Terminé! Apportez-moi vos copies, s'il vous plaît. Et maintenant, notre seule et unique note parfaite du groupe, Megan! Yes!
bonjour et bienvenue aux auditions théâtrales qui détermineront qui seront les narrateurs pour les spectacles cette année. Et là, attention à votre diction, votre articulation, votre projection, votre éloquence, votre prestance, vos mimiques faciales, votre gestuelle, vos tics nerveux, hein, et vos décrochages éventuels. Comme celui-là. Puis y a pas de... Ah! Je le vis. Je rougis. Je pâlis à sa vue. Vous n'aurez plus à vous préoccuper des articulations qui vous... Puis c'est n'importe quoi, cette audition-là! Sérieux! Notre texte sacré est le Coran. Il est la source principale de l'islam. C'est pas en débutant sur des En plus, Valentin, c'est un évêque qui est mort martyr. Ouh, je suis cultivé, hein? Je suis cultivé. Voici maintenant les narrateurs de cette année dans la catégorie art dramatique. Alors, il s'agit... Jacob Bellin, Joanne Bellemare, Pierre-Olivier Lemay et Michel Garceau! Persévérance scolaire, une droite à suivre pour un meilleur avenir, pour une meilleure vie.